J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, ce sera une vidéo un petit peu spéciale puisque je vous emmène avec moi. On part en voyage. Alors, non pas en Sibérie malgré cet accoutrement, mais on part à Londres. Demain, ce sera plutôt une longue journée avec pas mal de choses à vous montrer. Et puis, le retour mercredi. Mais j'espère que ce sera une vidéo plutôt sympa et que ça vous plaira. C'est parti, on y va. Je suis bien arrivée à Londres, pas mécontente d'être arrivée. Le voyage était un petit peu long, j'avais 2 vols et c'est vrai que j'avais un petit peu d'attente à l'aéroport entre ces 2 vols. Et il est déjà 22h30, donc 21h30 ici. Je vais vous faire visiter, j'ai une tête, je suis désolée. Je me suis assoupie dans l'avion et voilà, j'ai pas fait de retouche make-up, quoi que ce soit. Et du coup, j'ai montré la chambre d'hôtel, je suis arrivée à l'hôtel qui s'appelle The Prince à Katoki. Donc je ne connaissais pas du tout. Je suis ici pour la marque Sensai. Donc c'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. J'ai eu la chance de tester des produits dernièrement, 2 produits de la nouvelle marque Sensai, donc la gamme Absolute Silk. Donc on en reparlera un petit peu plus tard, demain. Je suis là aussi pour découvrir les produits. Mais j'ai bien hâte de vous en dire un petit peu plus. Les 2 produits que j'ai testés déjà, je les aime beaucoup. Vraiment des textures assez nouvelles et des odeurs vraiment très agréable, très, très apaisante, je trouve. Donc vraiment hâte d'en savoir plus et de vous en montrer un petit peu plus par ici. Je vous fais visiter la chambre, ça mange pas de pain. Donc voici l'entrée de la chambre. Alors j'aime beaucoup la déco de cet hôtel qui reprend un petit peu que ce soit au niveau des matières, du bois, de la façon dont est fait par exemple ce meuble que j'aime beaucoup. Les meubles, c'est un peu l'esprit que j'ai envie de donner à ma nouvelle maison par exemple. Donc c'est très très joli, très charmant je trouve. De toute façon j'aime beaucoup Londres, je trouve que ça a beaucoup de charme, il y a quelque chose qui se passe quand on arrive ici. Donc voilà un petit peu la chambre, les fenêtres comme ça aussi, ça me plaît beaucoup. Un grand lit pour moi toute seule. Et on a une magnifique salle de bain aussi. Avec une grande douche, une grande baignoire. En si peu de temps, j'aurais pas le temps de tout tester. Mais franchement, ça fait plaisir à regarder. Donc vraiment une très très jolie chambre. J'ai hâte de voir demain à la lumière ce que ça va donner. Mais je crois qu'il y a une petite terrasse. Oh, c'est trop mignon. Si j'avais su, j'aurais pas pris de dessert à l'aéroport. Parce que ça a l'air trop bon. Bon, je vais goûter quand même. Et du coup, voilà, on m'a fait un joli cadeau en arrivant. Donc, j'ai la gamme Sensai. Donc, on a le masque. On a la crème pour les yeux. On a patch soin intense revitalisant en 10 minutes. Et la crème Absolute Silk. Donc, hâte d'en découvrir plus demain. En plus, sans le savoir, c'est rigolo quand j'ai le petit mot. Nous espérons que vous avez fait bon voyage, quelques produits magiques pour rebooster la peau après un vol. Donc, comme quoi, on a pensé la même chose. Ce sera parfait, hâte de tester. Merci l'équipe Sensai. Je suis vraiment confuse pour ma tête, il faut absolument que je prenne tous ces produits et que j'aille me faire un petit soin dans la salle de bain. Du coup, ce qui va se passer, c'est que là, je vais aller prendre un petit thé quand même au bar avec Aline, donc, qui travaillait avec la marque Sensai, donc qui est venue là pour m'accueillir. Donc on va aller se prendre un petit thé. C'était prévu qu'on dîne ensemble, mais il y a eu un petit peu de retard à l'aéroport. Donc du coup, on va juste prendre un thé. Moi, j'ai mangé sur le pouce. Et je pense qu'ensuite, je vais me démaquiller, tester 1 ou 2 produits, faire un petit patch soin intense revitalisant, profiter, tester un peu les produits. Donc sur ce, je vous dis à plus tard. Bon, sans déconner, on est dans un hôtel japonais, je pense que ça se voit. Et je trouve que ça me va plutôt à ravir, n'est-ce pas? Non mais sans déconner, quel joli accoutrement pour aller au lit, je trouve. C'est la première fois que j'ai un baignoire aussi chic pour aller me coucher. Du coup, je vais faire un petit démaquillage rapidos et je vais vraiment faire tout ce qui est soins Sensai. Je vais appliquer les patchs. Je vais en regarder un petit peu pour pas les mettre n'importe comment.
et je vais faire le total. La crème, le masque, ça c'est le masque et ça c'est la crème, donc ça c'est après et ça c'est les patchs. C'est parti, démaquillage. Bien sûr, je vous laisse deviner qui est-ce qui a oublié sa brosse à dents à la maison. Donc j'ai acheté une brosse à dents à l'aéroport vite fait. Ma peau en ce moment elle est un petit peu asséchée, donc ça va lui faire le plus grand bien. Donc du coup je vais appliquer le masque extra intensive masque. Il a l'air soyeux à souhait, les textures sont assez dingues. Donc je viens faire le contour des yeux parce qu'après en fait je vais appliquer les patchs contour des yeux. Je vais laisser poser un petit peu. Pendant que ça pose, du coup, je vais aller me doucher et ensuite je rincerai. Donc moi, je remarque que j'en ai mis pas mal, mais là, ils disent en fait que masque de nuit luxueux et crémeux, la texture soyeuse, satinée, au parfum agréable qui enveloppe la peau de douceur. Je confirme. Ensuite, application, conseil d'application. Après avoir appliqué la lotion, à utiliser 2 à 3 fois par semaine ou lorsque le besoin s'en fait ressentir. Appliquer une quantité appropriée de masque sur l'ensemble du visage en suivant la technique de massage, puis laisser poser pendant votre sommeil. Grosso modo, je pense que j'en ai trop mis. Il aurait fallu juste ça, ça aurait suffi. Donc on n'est même pas obligé de le rincer maintenant. Oh, déjà rien comme ça, ça fait du bien à la peau, mon dieu. Du coup, moi je vais appliquer le patch soin intense revitalisant 10 minutes sous les yeux. Hello à tout le monde, je vous retrouve donc pour ce premier matin à Londres. Bon, il n'y en aura que deux, hein, mais il faut quand même un premier. Et du coup, pour aujourd'hui, donc on va faire un petit tour sur Harrods, on va faire un petit peu de shopping. Et ensuite, on ira sur le stand Sensai. On va parler un petit peu beauté et ce sera sympa d'en apprendre un peu plus sur la marque. C'est parti, je vous emmène avec moi. Je vous retrouve dans la chambre d'hôtel juste au-dessus de la mienne. On a une petite session make-up et pas n'importe laquelle puisque je vais avoir la chance d'être maquillée par Marie Greenwell, donc qui est très très connue en tant que make-up artiste. Bonjour. Hey, coucou. Bonjour. Oh, ouais, j'ai beaucoup de chance. Merci beaucoup. Donc on va faire un petit maquillage donc avec les produits Sensai. Donc je viens de me démaquiller le visage avec les produits, donc c'est assez dingue, ça va assez vite, c'est hydratant et j'ai la peau tout douce alors que c'est un tout banal démaquillage et j'ai même pas encore hydraté ma peau, donc j'en suis très contente. Ensuite on va faire une petite hydratation donc avec Marie qui va s'occuper de la suite et après on va passer au make-up, donc j'ai vraiment hâte de découvrir les produits. On y va. On va commencer avec le Absolute Silk Mousse de Sensai. Et ça donne une base extraordinaire. C'est Jamaican Primer. Oh, j'ai mis un petit peu. Ah, c'est joli. Les textures sont c'est vraiment divine. Oui, pour travailler, ça va. C'est frais, c'est doux. Après ça, j'ai mis la crème, cette crème-là, parce que c'est une fluide, c'est crème fluide, et c'est pas très lourd. J'adore faire le layering. Comment on dit ça en français? Je sais pas. Superposer des couches. Superposer les produits. Voilà. Ok. Je traduis. Je ne suis pas bilingue, mais presque. Muscu. Très mousse. Les odeurs sont agréables, hein. C'est doux. Hein. Alors maintenant, j'ai mis une base. C'est une base glowing base. Ouais. Ça veut dire ça donne plus lumineuse encore. J'aime ça. Mmh.
j'adore cette mascara. C'est vraiment le meilleur mondial pour moi. Ça, c'est le Senza Intensive Mask. C'est incroyable. J'adore ça. Et aussi, j'adore les pads pour les yeux. Ça donne... Ça hydrate très bien. Le contour de l'œil tout doux. Voilà. Incroyable. Plus de beaux yeux. Ça fait ressortir. Ça, les très beaux ça yeux. Fait ressortir les yeux. Voilà. Ouais. Ça devient pas trop naturel, finalement. Tant pis, hein. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. On va juste boire le thé après, c'est pas grave. Ça c'est les couleurs, ça c'est ça devient plus foncé, plus léger. Je fais un mix, mélanger. C'est intéressant un produit, je comprends. C'est très très beau. Mmh. Après ça, je fais. Et ça brille un peu. Yeah, tout à fait. Cool. Directement là, straight down. Voilà, là. Après ça, j'arrête. Et puis je commence à faire ça. Toujours up. So, là, then up. Voilà. Et ça donne les lignes que je veux. Les pinceaux sont d'une douceur. Mais c'est incroyable. Marie pour cette, ce beau maquillage, je suis ravie du résultat. C'est quelque chose de naturel mais à la fois quand même accentué. Oui, et c'est du facile, c'est du maquillageur. Mon plaisir. Voilà. Merci. Maintenant on va aller se boire un petit thé. Oui. Un petit, c'est le moment d'aller au tea room tous ensemble et passer un bon moment. Voilà. On y va. Petit matin avec un petit peu moins de make-up, hein, forcément c'est beaucoup moins travaillé, c'est moins joli qu'est-ce qu'avait fait Marie, mais ce matin c'est le départ, donc je rentre à la maison. Hier j'ai vécu une journée incroyable, c'était vraiment une belle expérience, donc merci à Sensei et à Marie Greenwell d'avoir pu me faire partager tout ça. Je repars avec des étoiles plein les yeux, je suis toujours tellement ravie de venir à Londres parce que cette ville est je trouve un charme fou et j'espère avoir la chance de revenir bientôt et d'y rester un petit peu plus encore. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous avez envie aussi de découvrir les produits Sensei. Je pense que je vous serai amenée à vous en reparler, que ce soit en story ou par, dans mes prochaines vidéos, parce que c'est une belle découverte pour moi, ces produits. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.